Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les incidences de la montée en puissance du FPIC, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour certaines collectivités comme la communauté de communes du pays des Herbiers en Vendée que j'ai l'honneur de présider. Les collectivités contributrices au FPIC souhaitent prendre toute leur part dans ce fonds de solidarité qui bénéficie aux territoires qui en ont le plus besoin. Pour autant, en Vendée, notre EPCI est le plus gros contributeur au Fpic tandis que d'autres collectivités sont bénéficiaires et profitent également d'une DGF bonifiée, de taxes de séjour ou d'autres recettes comme par exemple produits des casinos qui leur permettent d'investir efficacement et de préparer l'avenir. C'est notamment le cas des collectivités situées en zone touristique ou en front de mer. Aujourd'hui, la mise en œuvre du Fpic est ressentie par certains territoires dont le mien comme une double sanction. Première sanction le FPIC, compte tenu de son montant qui s'accroît d'une façon exponentielle et déraisonnable pour le pays des herbiers, je rappelle quelques chiffres, 470 000 euros en 2014, 605 000 en 2015 et 970 000 euros en 2016, obèrent totalement nos marges de manœuvre. En 2017, avec plus d'un million d'euros, le dépassera notre capacité d'autofinancement net. Le mois dernier, nous avons déjà dû augmenter les taux d'imposition pour les ménages et les entreprises afin de pouvoir financer notre contribution au PIC. Alors, comment voulez-vous expliquer cela aux habitants de la communauté de communes Deuxième sanction, d'ici 2017 la communauté de communes du pays des Herbiers va perdre la totalité de sa dotation d'intercommunalité, soit plus de 600 000 euros. Plus grave, en l'absence d'évolution des textes en vigueur, elle connaîtra un prélèvement sur ses ressources fiscales pour assurer la contribution au redressement des finances publiques. En clair, la communauté de communes ne percevra plus de dotation de la part de l'État, mais en versera une en plus du FPIC. Les montants du FPIC sont par ailleurs d'autant plus surprenants lorsqu'ils sont comparés à ceux de grandes métropoles comme Nantes, contributeurs à hauteur d'un million quatre. Il apparaît aujourd'hui nécessaire et urgent d'inclure d'autres paramètres dans le calcul du FPIC de façon à le faire évoluer avec plus de justesse, de justice, de transparence et de pertinence, surtout compte tenu de l'évolution territoriale des intercommunalités. Le FPIC ne tient pas du tout compte de toutes les charges des EPCI, qui ont pris la forme d'emprunts à rembourser pour le financement des équipements, ou le personnel qu'il a fallu recruter pour offrir des services à la population, crèches, halte-garderies, piscines, salles de sport, etc. J'ai été reçu à ce sujet le 23 juin 2015, à la direction des collectivités locales, au ministère de l'Intérieur, sans grand espoir, il faut bien le dire. Alors, Monsieur le Ministre, chaque année, le FPIC, c'est pour nous et bien d'autres la roulette russe, son montant est imprévisible, son montant devient aussi démentiel. Alors oui à la solidarité nationale, mais que comptez-vous faire concrètement pour proposer une répartition plus juste et plus adaptée, et surtout pour ne pas freiner les territoires qui créent de la croissance et des emplois Merci Madame. La parole est à Monsieur le ministre Jean-Michel Delbéde.